Selvini était un personnage extraordinaire. C'était tout petit bout de bonne femme, 1m60 à tout casser, un charisme invraisemblable. Moi, je disais toujours, Selvini, elle a 64 dents au moins. Mais vraiment, c'était un personnage qui, on résistait pas à Selvini. Parce qu'elle habitait chez moi quand elle venait à Paris. Et c'était un dimanche matin. Elle me dit, Robert, nous allons à la messe. Moi, j'ai la messe, franchement, c'était pas franchement mon truc. Mais il n'y a pas de problème. J'ai été à la messe avec elle. Alors moi, j'ai essayé de faire Selvini une fois dans ma vie. Mais pas deux. C'était une famille, je suis arrivé en disant, oui, nous ne savons pas si nous allons pouvoir vous aider, et j'allais faire la suite. Ils m'ont interrompu et m'ont dit, ah oui, c'est exactement ce qu'on pense. Là, je peux vous dire, c'était terminé.